Hey yo les délices, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va méga bien, mais vraiment vraiment super bien. Aujourd'hui j'ai reçu un colis exceptionnel, c'est la première fois de la chaîne que je peux ouvrir ça. C'est tout simplement un petit paquet, qui en soi n'est pas gros, mais juste ce petit paquet, je ne l'ai pas acheté, c'est un abonné qui me l'a offert. Alors pour la petite histoire, il y a quelques semaines, je dirais 2 semaines, j'étais au cinéma avec ma copine. On allait voir Les Animaux Fantastiques 2, on attendait dans la salle, je prends mon téléphone. Et je vois, je check mes notifications YouTube tout simplement, et je vois dans les commentaires un certain Steven qui me laisse un message en me disant: je vais t'envoyer un cadeau. Je montre ça à ma copine et puis en même temps dans ma tête je me dis: mais j'ai même pas 500 abonnés, c'est tellement improbable que ça se passe vraiment, enfin. Mais bon, c'est vrai que j'avais toujours un peu l'espoir que ça arrive vraiment, ça fait toujours méga plaisir les cadeaux, en plus c'est Noël, enfin voilà, c'est le bon mois, etc. Et puis ben, passe les jours, etc. Une personne me contacte sur Facebook qui s'appelle Steven justement et qui me dit: ben voilà, moi je commande également chez Retro Game 25 de temps en temps. Je vois que toi aussi, donc je mets le lien de Retro Game 25 dans la description. Et bien du coup, ben, ta prochaine commande, je lui demanderai de t'ajouter un cadeau que je t'offre. Voilà, ça c'est un cadeau, ça fait plaisir. Vu que je viens de recevoir vos cadeaux de Noël, je vous ai fait la vidéo la semaine dernière. Je vous mets le lien encore une fois dans la description. Et bien j'ai reçu le petit paquet en même temps. Et effectivement, il y a bien un cadeau pour moi que je n'ai pas acheté et que Retro Game 25 ne m'a pas envoyé pour le concours, et c'est tout simplement ce cadeau de ce fameux Steven. Je vous mets le commentaire, je l'ai peut-être mis déjà tout à l'heure. En tout cas voilà, je tiens vraiment à vous remercier, en particulier Steven évidemment, mais la communauté Yu-Gi-Oh! Est tellement exceptionnelle, ça se prouve de jour en jour entre guillemets, et aujourd'hui je reçois, j'ai même pas 500 abonnés, donc c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel pour moi. Et du coup voilà, un grand grand merci, et j'espère que dans cette ouverture on va choper des trucs bien bien lourds, l'histoire de te remercier encore plus. Allez, c'est parti. Donc alors j'ai vu plus ou moins ce qu'il y avait à l'intérieur, mais je me suis pas spoil, je l'ai pas ouvert avant de vous faire la vidéo, donc on va le faire ensemble. Oui, on voit bien que c'est pas ouvert. Donc à l'intérieur nous avons un pack turbo numéro 3 à l'intérieur, donc j'ai quand même checké un petit peu à l'intérieur. Il y a une carte méga cool que j'adorais jouer à l'époque, c'est Caius en Ultimate. Si on le chope, je suis le plus heureux du monde. Et dans tous les cas, il y a plein de petites cartes cool, notamment les premiers Untrap du style Corvo DD, ce genre de cartes. Et ici, c'est tout simplement une édition spéciale de Force Extrême que je n'ai pas encore ouverte sur la chaîne. Donc et ben, ça fait quand même grave plaisir de l'avoir, avec notamment des cartes super sympas en promo à choper. On va commencer par le paquet turbo. Le paquet turbo, j'espère vraiment, enfin voilà, ça me fait tellement plaisir. J'ai l'impression d'ouvrir quelque chose qui ne m'appartient pas, et en fait c'est juste parce que c'est un cadeau, mais ça me fait tellement plaisir. Je sais pas comment sont rangées les raretés dans ce paquet de cartes, je sais même pas combien il y a de cartes. Il y a 3 cartes. 3 cartes. Espionnage. Chariot de guerre Bad Gladiator et Éruption des Ténèbres en rare. Ok. C'est pas exceptionnel, mais c'est tellement... En fait, c'est tellement cool. Même si j'avais les pires cartes du monde, je suis tellement content de faire cette vidéo que... Alors, peut-être que je le répète et que je suis chiant à le dire, mais vraiment, ça me fait super plaisir. Enfin, c'est un cadeau, quoi. Enfin, c'est peut-être pas grand-chose, mais c'est le geste qui compte. Et ça fait tellement plaisir, en vrai. N'hésitez pas à m'envoyer des cadeaux, hein, évidemment. Il n'y a pas de souci avec ça. Moi, je prends tous les cadeaux qui viennent. Il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que bah, c'est pas vraiment de... Enfin, voilà, je n'ai jamais demandé de cadeaux ou quoi que ce soit. C'est vraiment pas quelque chose que je fais. Au contraire, je suis plus dans l'autre sens, c'est-à-dire à vous offrir plein de cadeaux. Et c'est vrai que bah, quand ça vient de l'autre sens et que la personne te dit, bah, voilà, t'étais un des youtubeurs que... Oh, un appel de la tombe. C'est grave cool. T'es un des youtubeurs que je regarde le plus. Ça fait grave plaisir quand tes vidéos sortent, etc. Bah, du coup, je t'envoie un... Ça fait grave plaisir, quoi. Donc dans les promos, on aura eu Appel de la Tombe et Dragon Épée Chimère aux yeux galactiques, qui est juste sublime. Oh ouais, défense. Vraiment. Et petit Appel de la Tombe qui est ultra fumé. Je vous laisse lire les effets. Tac. Ok, on va se mettre ça de côté. Et du coup, on a une petite force extrême à ouvrir. J'en ai déjà ouvert hors caméra pour le fun quand je prenais des boosters. J'aime bien ces extensions là parce qu'elles ont 9 cartes et du coup j'adore les paquets de 9 cartes, tout simplement. Artefact, Gardena de sécurisation, Transporteur Autocaravane FA, Bitro Cavalier, Chacal Bête Mythique. Ça c'est cool, idole de récit des chevaliers nobles, navigateur auto FA, armure port parallèle et le clown flic. Écoutez, ça c'est plutôt cool, c'est même très très cool.
C'est le premier booster, hein. Clairement, c'est déjà ultra stylé. Allez, deuxième booster. Notez quand même que les boosters du TCG s'ouvrent extrêmement bien par rapport aux boosters de l'OCG. Alors, Traplien, Esprit Sumo, Protection de Nagel, Zombino, qui est vraiment super joli. J'adore vraiment cette carte. Clé de l'héritage du monde, Pouvoir des gardiens, qui est une carte cool également. Horizon vert, Mec Chevalier, Danse d'Aïe et Révocation Fantoruse. Hop, et le dernier booster. Alors, j'ai mes compétitions bien droites. Delaunay, Chien de chasse, Tridangle, oui c'est ça. Intrus, Tridangle. Lame rouge, Mec chevalier, ça c'est cool. Seigneur de combat, Vent de terreur. Base Gardena. Encore un Tridangle en link. Œuf de réaction, œuf à réaction et sorcier de la récupération. Eh bien, on aurait eu du mec chevalier, on aurait eu du vent de terreur, on aurait eu du mec chevalier encore. Et elles sont quand même pas mal. Hein. Franchement, pour 3 boosters, c'est pas trop mal comme loot. Je vous mettrai les tarifs des cartes qui s'affichent vers là. Juste histoire que vous ayez une petite idée de ce qu'on a pu loot. Celle-ci, je vous laisse lire les faits. C'est une carte qui est quand même assez prisée. Et puis, celui-ci est quand même extrêmement joli, mine de rien. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, encore une fois, je te remercie grandement, Steven, de m'avoir envoyé ça. Ça fait plaisir. Enfin, c'est un cadeau, quoi, tout simplement. Donc, bah, merci vraiment du fond du cœur. Encore une fois, je le dis, j'ai même pas 500 abonnés. Donc, bah, ce genre d'action, ce genre de vidéo, ça fait très, très plaisir. Et puis voilà, n'hésitez pas à me le dire, ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si vous avez pas eu le même loot ou si vous avez eu du loot mieux que ça. En tout cas, moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de faire cette vidéo. J'espère que ça vous a plu à vous aussi. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Comme je dis, on n'est pas encore 500, mais on est bientôt à 500. Et je pense que je ferai une FAQ à 500. Donc voilà, si vous voyez cette vidéo, que ça vous intéresse et que vous n'êtes pas encore abonné, ben, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et ça me fait plaisir. Sur ce, les petits potes, prenez soin de vous. Faites de nombreux duels et collections de cartes. Et surtout, à bientôt. Allez, ciao !